qui va se faire plaisir avec un festival offensif illustré par plusieurs hommes, dont Raphaël Grzelak, qui est le premier à se mettre en évidence sur cette frappe qui apparemment est contrée. Une action individuelle décisive pour Raphaël Grzelak, qui ouvre donc le score à la 14e minute de jeu. On va retrouver le milieu de terrain de Boavista dans le temps additionnel de la première période pour un deuxième but personnel. À l'origine, un coup franc de Kazmir Ziak. Grzelak qui marque du droit. Ballon qui lobe toute la défense et donc le gardien de Beyramar. 2-0 à la pause après ce mauvais renvoi dans l'axe. Et cette balle, cette fois franchement tirée.